Coucou la famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'astuce. Cette astuce, c'est uniquement pour les femmes qui sont victimes des gigolos. Arrêtez de juger ces femmes. Parce qu'une femme qui est victime d'un gigolo, elle ne voit rien. Donc, si tu as une soeur qui est victime d'un gigolo, tu vas faire cette astuce pour la sauver. Parce que la femme qui est victime d'un gigolo, elle est amoureuse et tout, et elle ne connaît pas ce qui se passe. Donc, toi qui la vois dans cette situation, tu es mieux placé pour la sauver de ces gigolos avant que le gigolo va vider tout son compte bancaire. Donc, voilà ce que vous allez faire. Tu vas chercher deux bouts de papier comme ça. Cette astuce est uniquement pour les gens qui sont dans les relations toxiques. Donc, si tu vois une femme dans ton quartier qui est victime d'un gigolo et que le gigolo profite de sa faiblesse pour lui faire n'importe quoi, là, tu peux faire cela. Parce qu'avant de faire l'astuce, tu vas parler. Parce que tu fais cette astuce et qu'il n'y a pas les bonnes raisons pour faire ça, n'apprends pas. Tu vas chercher deux bouts de papier de même taille comme ça. Vous voyez, tu écris le nom de la fille de ce côté, tu écris pour le gigolo de ce côté. Maintenant, derrière les papiers, tu vas faire les croix. Vous voyez, derrière, c'est les croix. Devant, ce sont des noms. Maintenant, vous revenez maintenant. Vous croisez les deux croix comme ça, là, pour que les noms se regardent de ce côté. Vous voyez, les deux croix doivent se croiser et les noms ne doivent pas s'embrasser. Comprenez? Quand vous finissez de faire cela, vous allez plier les papiers comme ça, là. Voilà, comme ça, en quatre. Deux, pardon. Vous mettez dans une boîte. Mettez dans une boîte comme ça. Avant de mettre, vous allez parler de pourquoi est-ce que vous voulez séparer ces deux personnes. C'est important. Tu peux dire, par exemple, toi, ma soeur, tu es une fille gentille. Mais à cause de ce gigolo qui profite de ta situation, à partir d'aujourd'hui, je vous sépare. Tu prends le sel comme ça. Tu mets le sel. Tu remplis le sel pour que le papier ne se voit plus. Donc, tu vas remplir le sel parce que le papier ne doit plus se voir. Tu remplis le sel. Voilà. Quand tu mets le sel comme ça, vous voyez, tu mets le sel comme ça là. Le sel va cacher le papier. Tu cherches le vinaigre d'alcool, tu prends l'alcool, tu remplis dessus. Quand tu finis, tu parles, tu fais tes vœux, tu fermes la boîte comme ça là. Tu déposes dans un endroit pendant 21 jours. Après les 21 jours, tu vas aller enterrer. Et chaque jour avant les 21 jours, si le soleil sort, dépose où ça chauffe. Même à côté de là où tu prépares là, pour que ça doit chauffer. Et tant qu'ils ne sont pas séparés, n'enlève pas. Tu laisses ça là-bas. Partagez cette vidéo pour sauver les femmes.